God of the Dead, c'est sûr. Bon, bon, logiciel de pour les follow et les raids, ils comprennent pas. Donc, je peux bien aller me faire foutre de toute évidence. Non, mais lui, il faut qu'il me lâche aussi, là. C'est un sound alert. Je déconnecte mon compte, mais mon compte était même pas connecté. Je vais le marquer dans... les alertes follow. Thread. Fonctionne pas. Fonctionne pas sur... Ah mais non, mais... Attends, non, arrête. Quoi? Pourquoi c'est pas actualisé, ça? On repart en pénitence. Mais comment ça? On repart pas en pénitence, amoureux. Là, on part cuisiner. Et lui, je peux pas le bannir à vie. Hop là. Hop là. C'est banni. De mon côté, c'est banni. Ok. Un point. Mes alertes. Follow. Aide, je ne donne pas. Y arriver. Ah, sorry. Il manque une haine par contre. Par contre, une... C'est mère. Mèo, 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 mèo. Bon, peut-être qu'à un moment, le... il est en connecting. Je comprends pas. Il veut se connecter à OBS, il n'y arrive pas. Si je lui dis là, non, il n'y a pas de raison, c'est la même connexion, mon ref. Après intervalle, ouais. Donc je délète la. Je la délète et que je la recrée. Name OBS connection. Voir, je mets une différente version, on va voir ce que ça donne. Enfin, du coup, je vais check paramètres du serveur. Voilà. Oui, oui. Le port et le mot de passe caput raconique auto connect et connect blablabla connected connect. Le logiciel est complètement cassé. Oh, il est en local, je comprends pas, il ne répond pas. Ouais, peut-être le web serveur de le web serveur de machin qui foire, qui fait lancer le jeu. Il me parle. Ok, alors c'est pas important, du coup je vais juste mettre en sourdine. Mute. Fort. Et. La scène, la scène, la scène, la scène et moi, je ne sais, ne sais, ne sais pas, Dave the Diver, ne sais pas pourquoi c'est comme ça, Dave the Diver, blablabla, bla bla, ok c'est super, OBS c'est super. Alors, j'ai perdu mon curseur, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois jouer à la manette? Ça joue manette ou clavier là? Musique, reste tranquille, voilà, français, ouais, la complète, c'est-à-dire que c'est complète, et on va mettre complète, nouvelle partie. Vous avez peut-être pas besoin des trucs sur le déco, vous, je vais vous faire ça. Je vais vous faire la scène après. Oh, j'espère que ça va être un banger de fou. Mais j'ai pas regardé les avis, par contre, je me fous de vous. Thank you.
un jeu coréen ou japonais. Chinois d'ailleurs. Je sais lire aucun des trois, donc c'est un jeu asiatique. Je vais le dire. Ah, mais vous verrez pas les boutons si. Mais non, si, je peux vous enlever les trucs sur le déco, on s'en branle. Je peux garder mon curseur. Oh, je peux avoir mon curseur. Vous avez encore la musique. Banger. Oh, le banger. Non, ouais. Bon. C'est pas mal. Pas mal. C'est bien ça. Est-ce qu'il peut flipper sur le centre? Ouais. Oh la dingue. Dave, tu es arrivé rapidement. Il m'a dit de me dépêcher, j'étais en vacances. Je sais. Alors où sont les sushis? Ne précipite pas, regarde autour de toi. Regarde ce trou bleu géant, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais pas seulement la taille. Chaque fois que tu entres dans le trou bleu géant, le terrain et l'écologie changent. Je veux dire que cela pourrait être une opportunité de business incroyable. Quel genre de business? Je ne pouvais en discuter plus tard, j'ai entendu dire que tu as fait une pause de plongée. Que dirais-tu de t'échauffer? Je vais te guider à partir d'ici, vas-y, rentre. Un mauvais présentement à partir de ce sujet. Un bar à sushi près du trou bleu. Et de vous déplacer vers la flèche avec elle. So long! Poisson papillon pyramide jaune. Il a un grand triangle blanc délimité. Belle forme. Voici, on essaie de s'étirer un peu. Essaie de te déplacer jusqu'à la zone marquée. Avec LT, tu peux te déplacer rapidement. Rappelle-toi que cela accélère la consommation d'oxygène. Ouais. Même c'est vrai que tes compétences sont intactes, tes mouvements sont aussi agiles qu'un escargot d'eau douce. Pratiquons maintenant l'utilisation de l'arme dont tu auras besoin à 14 ans. D'urgence, le poignard. Essaie d'utiliser le poignard sur les petits poissons. Utilise la touche B. Salut à tous! Bah ouais, mais après il fuit. Bien joué, simple et rapide. Et enfin, tu n'as pas oublié comment utiliser le harpon, n'est-ce pas? Le harpon, eh bien je n'en ai pas utilisé depuis longtemps. Tu vises d'abord et ensuite. Comme que tu as besoin de t'entraîner un peu. Essaie d'utiliser le harpon pour attraper, disons, 3 poissons. Vise avec A et tire avec RT. Maintenant, essaie par toi-même. Hop là! On est pas ça! Je pense que cela devrait te remettre sur les rails en rien de temps. Bien, remonte sur le bateau. D'accord, maintenant que tu as compris le fonctionnement, passons aux choses sérieuses. Dave, tu aimes les sushis, n'est-ce pas? Bien sûr, cette viande de poisson tendre avec du riz onctueux. Oh, c'est le meilleur! Ah écoute, j'ai un ami chef sushi qui reprend du métier. Il a la langue bien pendue et est facilement irritable, mais il a une compétence qui, je peux le garantir, est inégalable dans le monde. Physique, j'ai ouvert un restaurant avec mon ami qui vend des sushis uniques. Les sushis vendus ici sont préparés à partir de poissons frais, pêchés dans le trou bleu, où l'on trouve des poissons du monde entier. Les clients vont adorer, c'est sûr. Miam, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Je parie. Donc, pourquoi ne te joindrais-tu pas à cette entreprise incroyable? Qu'en dis-tu? Je veux dire, j'adore manger, mais je ne connais rien à la cuisine. Rien à craindre, le restaurant est tout prêt. Ce que tu as à faire, c'est de plonger pour trouver les ingrédients. Ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Là, j'aurais dû refuser le con. Je peux donc manger autant de sushis que je veux? Oui, bien sûr, mais tu dois payer. J'ai hâte d'y jeter un œil. Le restaurant de sushis à côté du trou bleu. Il était censé ouvrir ce soir, mais je ne suis pas sûr s'il est prêt. Allons discuter au restaurant. Sur X à la flèche pour aller au bar à sushis. Vroom! Okay.
Pancho. J'aime les sushis, bien sûr. J'aime le ventre de thon, l'anguille, les oursins. Oh là là, rien que d'y penser, j'en ai à l'eau à la bouche. Je savais que tes goûts seraient médiocres. Mais je suis quand même déçu. Ok, mec. Le sushi est un plat qui combine l'âme de la mer et de la terre. Bah, directement. Il symbolise la mer nature elle-même. Bah, toujours plus. Pourtant, la plupart des gens se cantonnent à des poissons rasoirs, comme ceux que tu as cités. Quelle vie triste que celle qui s'achève sans jamais avoir goûté à la beauté que mère nature peut offrir. Ma vocation est d'apporter le goût de mère nature à tout le monde. Allô ? Tremblement de terre. Ah bon ? Un tremblement de terre ? L'intérieur est vraiment en désordre. Oui. Il semble que nous devions retarder l'ouverture aujourd'hui. Tu sais quoi ? J'ai dépensé tout mon argent pour préparer ce restaurant. Je vais devoir récupérer le coût des réparations en faisant des affaires. Dans cet état ? En fin de compte, l'importance d'un restaurant, c'est le goût. Nous avons d'abord besoin d'ingrédients. As-tu apporté quelque chose ? Viens, j'ai quelque chose que je viens d'attraper. Seulement 3 poissons, c'est loin d'être suffisant pour servir les invités. S'il te plaît, va d'abord attraper 7 poissons de plus. Oh, et le restaurant ne sera ouvert que le soir. Cela ne va-t-il pas faire baisser les ventes ? Tu penses qu'on devrait inviter des clients sans préparation adéquate juste pour gagner plus d'argent ? C'est le devoir d'un chef de préparer la meilleure nourriture possible, avec la précision méticuleuse d'un guerrier qui aiguise son épée. Tu devras me procurer des ingrédients de la meilleure qualité possible durant la journée. D'accord. Nous ne sommes pas au max. On dirait que Bancho est vraiment passionné par son travail. Il n'est pas très bavard sur sa vie personnelle, mais ce type peut parler de sushi pendant des heures. Je n'ai pas vu Bancho aussi enthousiaste depuis l'incident. C'est agréable de le voir ainsi. L'incident ? Hop, peut-être que je n'aurais pas dû en parler. De toute façon, nous avons besoin de plus d'ingrédients. Alors va d'abord attraper 7 poissons. Gagner 100 pièces d'or, préparer Bancho sushi, préparer les ingrédients de sushi. Attraper des poissons. La poiscaille ! Les poissons capturés avec un harpon produiront plus de viande que les poissons chassés au fusil. Moi je joue harpon, je suis un joueur harpon. C'est toujours bien. Alors. Là, c'est de la poiscaille là-bas. Je le reconnais. Ah oui, mais il est un peu court mon. Non, mais par contre, on level. Il fuit. Putain, mais mon niveau. Au niveau Astrobad. Ah mais je peux faire que sur les. Hop là. Oh là des crevettes. Quoi? Non elle est passée dessus. Ah je peux pas pêcher les crevettes. Quoi ça? Bois. C'est à moi? Ok. Oh de la méduse. Oh je vais manger de la méduse ce soir. Ah ça. Je vais manger les méduses moi. Allez la poiscaille là. Un hippocampe ? Hop là, je sais pas ce que c'est ça. Jirel. Là, je veux attraper un blanc là. On dirait des poissons angéliques. Ah ! Quoi ? Fusillé à dos jaune. Ah ouais. J'en ai pas besoin de tout l'oxygène. Là-bas, il y a un coffre. Bâton de choc, une arme de type bâton, libère une puissante décharge électrique. J'ai obtenu bâton de choc. Ça me fait une belle jambe, honnêtement. Quoi ? Quoi ? Tape avec le bâton. C'est le bâton, ça, on est d'accord. Boum ! Bon, ça fait combien d'oxygène, ça ? La moitié à peu près. Ça m'a filé fou. Oh, la murène. Merde, la murène. Bah, la murène, ça se pêche pas, apparemment. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah oui, putain, oui.
Vise et tire. Ah putain, je me trompe de touche. Le bouffe. Ok, Kassos. Un dernier. Pour la route. Rank 1, 2 étoiles. Oui, on est sur le bateau. Le Batal. Bien, on dirait que tu en as attrapé pas mal. À ce rythme, nous allons gagner beaucoup d'argent en un rien de temps. Moi. Mon dieu, regarde l'heure. Nous devons nous dépêcher de nous préparer. Pourquoi n'y arrives-tu pas au bar à sushi? C'est exactement ce que je comptais faire, mon ami. Je le dis dans mes pensées, en fait. Alors, rapport de plongée. Plongée numéro 1, date. Ok, apparemment, on s'en fout des. Okay, apparemment, la moitié de la date, on s'en branle. Météo ensoleillé, température 21 degrés, temps, mon record, plus rien de rien. En fait, c'est tout mon record. Profondeur obtenue. Attrapé, plus gros poisson, fusil à dos jaune, 40 cm, 2 étoiles. Ok. Ingrédients de cuisine, poisson, aquarium. Donc, un chirurgien bleu, level 1. Irel, fusil à dos jaune. La taxe. Orbite verte. Terminez votre journée et préparez le service sur Banjo. D'ailleurs, tu ne pourras plonger qu'une fois le matin et une fois l'après-midi. Prépare les ingrédients avant l'heure du dîner. Les ingrédients sont utilisés pour améliorer le goût des sushis. Comment se déroulent les préparatifs? Bancho, comment se déroulent les préparatifs? Je pense que nous sommes en grande partie prêts. C'est bien, bonne soirée à tous. Où crois-tu aller? Tu n'as pas eu de nouvelles de Cobra? Tu vas m'aider à tenir le bar à sushis à partir d'aujourd'hui. Quoi? Je ne comprends pas. Cobra m'a dit qu'il y aurait quelqu'un pour m'aider avec les ingrédients et le service. Il a dit que tout ce que j'avais à faire, c'était de cuisiner. Et qui d'autre que toi est là pour cela? Attends, je n'ai jamais travaillé dans un restaurant. Les invités seront bientôt là. Je vais te faire un petit topo, alors écoute bien. Quoi? Ouvre les ingrédients ci-dessous. Ici, tu peux vérifier tes poissons, tes récoltes, tes sauces et tous les autres matériaux dont tu disposes. Pour l'instant, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Reviens plus tard pour plus d'informations. Bien, je vais maintenant te montrer comment inscrire des articles au menu. De nouvelles recettes doivent être ajoutées au menu avant de pouvoir être vendues aux clients. Ok. Il y a une recette de sushi pour le poisson que tu as tout à l'heure. Essaie de l'inscrire au menu. Poisson que j'ai pris tout à l'heure. Max, nombre ajouté 10. Oui, c'est bon. Bien, ce n'était probablement pas si difficile. La mise en place de l'approvisionnement automatique des ingrédients rendra les choses un peu plus pratiques. Je répète. Seuls les aliments figurant sur le menu peuvent être vendus. Si tu n'as plus d'ingrédients, tu devras remplacer les articles du menu pour refaire le plein d'ingrédients. Ah d'accord. Tu peux également améliorer la saveur des plats. Essaye donc quand tu auras suffisamment d'ingrédients. Maintenant, utilise les ingrédients que tu as attrapés pour remplir le menu autant que possible. Et après c'est la merde un peu. Combien de temps vas-tu rester là à discuter? Donne-moi une tasse de thé vert pour étancher ma soif. As-tu déjà versé du thé vert auparavant? Non, seulement des sodas, je crois. Je vais te montrer comment faire. Va voir Cobra. Verser le thé vert à Cobra. La cobre! Verser la bonne quantité. Les clients commanderont parfois des boissons. R pour verser la juste quantité de thé vert. R, c'est quoi c'est? Bah, c'était mi-goût de mi-raisin, mais ok. Les clients qui ont bu du thé vert de bonne qualité ou de qualité supérieure paieront plus cher. Bah, ils ont intérêt, ouais. Comme prévu, le thé vert de Bancho, c'est vraiment quelque chose. Ce thé m'a vraiment ouvert l'appétit. Il y a peut-être quelque chose à manger? Exigeant, comme toujours. Pourquoi ne pas essayer de lui servir de la nourriture pendant que tu y es? Attendez que la cuisson soit terminée. Ok, c'est là.
Rejoins-moi et prends ce plat. Vous pouvez accélérer en servant la nourriture. Si LT pour vous déplacer rapidement, n'oubliez pas de surveiller votre endurance. Mais. Bonjour. Vous avez envoyé le colis la semaine dernière, dites-vous? Que diable, laissez-moi vérifier. Fou de ma gueule. Cobra n'a même pas mangé. Il est toujours distrait comme ça. La nourriture ne peut pas être réutilisée. Nous devrons donc la jeter. C'est un tel gâchis de la jeter. Bancho Sushi ne réutilise jamais la nourriture. Nous ne mettons pas deux fois sur la table de la nourriture préparée pour des clients. Bon, d'accord. De toute façon, tu la manges. Ah, juste j'appuie sur B. Tout semble prêt. Je n'ai pas cuisiné pour des clients depuis un moment. Je suis un peu nerveux. N'oublie pas d'appuyer sur Y après avoir rempli le menu pour commencer l'activité. Les clients commanderont des plats à partir du menu. N'oublie pas d'inscrire des plats au menu. Ouais. Ouvrir. Let's go. Ah, c'est ma réserve de thé vert là-bas? À quoi ça correspond ça? Ah bah non. Ok. La vraie nourriture. Trop long. Fermé pour la journée, Bancho Sushi fermé. Meilleure vente, sushi de fusilier à dos jaune. J'ai obtenu une flamme d'artisan. Like du jour. 5 étoiles. Fusilier à dos jaune donc. 7 pièces, 12 de régalade. Un plat j'imagine. 23 pièces. Recette 7x3, bonus 2. Meilleure vente, pas de menu, vente, dépense. Cuisine plus 53. Ah oui, d'accord. Pour boire plus 8. Vente 60. Ok. Je vois. Ouf, le travail est enfin terminé pour aujourd'hui. J'ai mal au dos et aux jambes. Merci. J'étais un peu maladroit, mais pas mal pour un premier jour. Et c'est un peu plus fort la prochaine fois. Je suppose que venant de toi, c'est un compliment. Un homme ne devrait pas ressentir de satisfaction à partir de simples compliments. Oui, d'accord. Quoi qu'il en soit, portons un toast à l'ouverture de Bancho Sushi. Ça va là-bas. Ça, c'est bien emmerdant. Ellie qui m'appelle. Es-tu l'homme qui plonge par ici? Oui, je pense. Je m'attendais à avoir un gars qui a plus de professionnalisme. Je peux t'entendre, tu sais. En tout cas, peux-tu faire quelque chose pour moi?
Tu ne devrais pas d'abord me dire qui tu es ? Je suis Ellie. J'étudie la biologie à l'école supérieure locale. Je suis venu enquêter suite à des rapports d'anomalies dans la région. Satisfait ? D'accord. Alors que veux-tu ? Je voudrais étudier l'écologie de ce trou bleu. Trouve-moi d'abord de la gélose et des étoiles de mer rouge. Je ne pense pas qu'un de chaque suffise, apporte-moi deux de chaque. Ton intonation me donne envie de refuser. J'ai une récompense, mais tu n'en veux pas, ça me va aussi. Une récompense ? Je ne refusais pas. Je dis juste que tu pourrais demander plus gentiment. S'il te plaît, dépêche-toi. Ne traîne pas. Après, si je lui lance... Techniquement, si je lui lance les étoiles de mer au visage... Au final, c'est comme si je lui avais donné, quoi. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour accéder à différents types de contenus. Consultez vos missions en cours et plus encore. Les paramètres de jeu sont accessibles depuis le téléphone. Alors moi, le problème que j'ai, c'est... Alors déjà, c'est mon logiciel qui marche pas. Je suis toujours en connecting. Personne ne sait pourquoi. Default, c'est quoi default ? C'est de force. En branle, mais genre vraiment quoi. Non. Ce qui m'embête, c'est l'oxygène en fait. Vu que je sais pas. Vu que je sais pas combien d'oxygène j'ai besoin pour remonter. Bon après pour l'instant pas tant. Mais le truc c'est que j'ai peur de crever sous l'eau. Comme un con. Alors. Une casserole là. Oh non le bout. Ah oui. Ouvre. Tiens, c'est pas simple hein. Alors, huile d'olive. Tiens, la murène à ma fumée. J'ai vu s'échapper le petit bat. Non, mon rêve. Oh. Son cardinal. Oh non. Oh jure. Non. Oh, une étoile de mer. Oh la poisson sky giant. Non mais arrête d'être con. Putain c'est grave. Oh la poisson sky giant, c'est la mienne. Non le bouffe. Possible d'être aussi nul. Allez! Apparemment, on peut pas. Tadj! Quoi? Capsule d'oxygène. Ça m'a remonté l'oxygène ou pas? Ah, ça fait mal. Je pense pas que les oursins puissent être ramassés avec ses gants. Merde. Elle protège quoi la murène là ? Manque d'air. Attendez, j'ai une capsule d'oxygène là. Mais voilà. Vise, tire. Mais j'ai plus que... J'en ai zéro. Non mais par contre mon level. Il y en a un, il peut pas s'échapper lui, on est d'accord. Bon, par contre si je suis si nul que ça. Non. Je pense que
que mon harpon il est juste pas assez fort pour l'instant. Les poissons sont gros. Les petits poissons. Non mais par contre c'est du foutage de gueule, ça je reconnais en fait. Vas-y passe pour voir. Dora de rose. Y'a quoi là? Oh en argent. Mais comment ça? Pas dire. Ça je peux pas les avoir non plus, on est d'accord. Hein. Ah ouais d'accord. Ah mon level. Ah merde. Si vous dépassez votre limite de poids, vous ralentirez. Si vous dépassez un poids encore plus élevé, vous ne pourrez plus rien transporter. Appuyez sur Start pour organiser. Merde, j'ai dépassé. Je jette quoi? Je sais pas quoi jeter moi. Une réduction. C'est que j'ai pas encore il manque une étoile de mer. Et là je vais récupérer un truc dans le coffre en plus. Non mais bâton de choc, je m'en branle. C'est une arme mais. Oh de l'oxygène. Un oursin. En fait je pêche une étoile de mer. Le problème c'est que je sais pas trop où est-ce qu'elle se trouve spécifiquement quoi. Quoi? Le bâtard. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Oh, c'est un bol en argent. Lâche-moi la grappe. Putain, mais ils sont plusieurs en plus, les cons. Eh, et vous savez quoi? Regardez bien. Allez. Dans ta mère, toi. Vas-y, ouais. Allez, oui. Tiens, voilà. Allez, ça dégage. Oh, mais je suis encore à 11 kilos, mais c'est pas possible. C'est la grosse poisson là. 3,8 kg. Mais gros, t'as pensé à aller te faire foutre par exemple? Ah mais 3,8 kg, c'est pas permis en fait. Par contre le poisson ça va me filer. Juste une petite étoile et je remonte en fait. C'est juste ça qu'il me faut. Petite étoile de mer. Mais il n'y en a pas une seule hein. Là il y a du wab. Ah ouais. Oxygène. Quoi? Ah bah tiens. Capsule. Jamais. Oh une étoile de mer. Non. Ok, let's go. Rentrons. Tu les as effectivement ramenés? J'imagine que j'en entendais trop peu de ta part. D'accord, ça devrait suffire pour l'instant. Je vais te donner une récompense comme promis puisque tu m'as aidé dans mes recherches. Les changements écologiques soudains dans cette région devront être étudiés en profondeur, donc j'aurai besoin de tes services à l'avenir. Ajoute mon numéro. Okay, nice. Oh, Dave. Tu as récolté 100 pièces d'or. Excellent travail. Cela devrait suffire à réparer ce qui est cassé. Alors donne-moi un peu de temps. Ces réparations doivent être effectuées correctement. J'espère vraiment que les clients continueront de venir. Ok. Quoi, obtenu? Il y a attrapé, mais il y a aussi obtenu. 2, alors que tout à l'heure c'était 5. Dave, as-tu pu te détendre hier? J'ai vu beaucoup de poissons méchants. Il ne sera pas facile d'appeler plus profondément.
J'ai remarqué que les poissons du trou bleu ont un comportement étrangement violent. Ouais, peut-être que quelque chose les met en alerte. À ce propos, pourquoi ne prends-tu pas un fusil en plus du harpon? Un fusil? J'ai un ami qui s'y connaît en armes. Je te le présenterai. Waouh, Cobra, ça fait longtemps. C'est qui ce mec bizarre à côté de toi? Eh, c'est pas sympa. Je suis Dave, un plongeur professionnel. Intéressant. Je pensais que les plongeurs étaient athlétiques et musclés. Ça semble contredire mes connaissances antérieures. Les gens qui vivent dans une bulle. Alors, de quoi s'agit-il? J'aimerais que tu ailles droit au but. J'ai commencé une activité très intéressante. Et maintenant, j'ai besoin de quelques armes, d'œufs. J'ai besoin de ton aide. La saison 2 de Stratella vient de se terminer de toute façon. Je vais t'écouter. D'accord, j'ai en fait découvert un trou bleu géant fascinant. Le terrain et l'écologie à l'intérieur changent à chaque fois qu'on entre. Bizarrement, tout équipement trouvé à l'intérieur tombe en panne lorsqu'il est sorti. Je voudrais que tu nous fabriques une arme qui peut être utilisée à l'intérieur. C'est plutôt intéressant. Tu as éveillé mon intérêt en tant que chercheur d'armes. Mon hypothèse est que tout ce qui n'est pas fabriqué à partir de matériaux trouvés dans le trou bleu continuera à se dégrader. Cela sera particulièrement vrai pour les fusils qui ont des pièces de précision. Alors il faudra obtenir les matériaux de la mer nous-mêmes. Et Dave, tu devras faire tes preuves en tant que plongeur auprès de ce maître d'œuf. Il parle de lui-même. Je ne vois pas pourquoi je devrais faire mes preuves auprès de toi. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Puisqu'il semble que tu n'aies pas du tout de fusil, commençons par quelque chose de facile. Tu aurais besoin d'une corde et un morceau de ferraille. Tu l'as entendu, Dave? Entre dans le trou bleu et ramène de la corde et de la ferraille. Au fait, si tu manques d'oxygène en chemin, tu ne pourras rapporter qu'un seul objet. Ah, d'accord. Tu meurs pas, mais tu ne peux ramener qu'un seul objet. Garde toujours ça en tête. Mais un seul objet de tout mon inventaire? Ça fait pas beaucoup. À la limite, si je vais pêcher le kraken, je le mets dans ma poche. Et que là, j'ai manque d'oxygène, bon, je suis chaud, quoi. Mais le truc, c'est que si... Enfin, si je fais un plongeon normal, j'ai bien plus de... Si vous dépassez votre limite de poids, vous ralentirez. Si vous dépassez un poids encore plus élevé, vous ne pourrez plus rien transporter. Appuyez sur Start pour organiser. Okay. Attends, mais je peux poser mes affaires? Peinture. Fusil harpon. Ok. Mais alors, comment dire? Maintenant que j'y pense, cela fait déjà environ 8 ans que nous nous connaissons. À l'époque, je m'amusais à plonger près du rocher Richelieu. Tu as soudainement voulu récupérer ta valise qui était tombée du bateau. Ah, j'ai cru que j'étais dans le pétrin à l'époque. Je travaillais en tant que marchand d'armes et il y avait des schémas importants dans la valise. Heureusement, tu les as sauvés avant qu'ils ne soient endommagés. Heureusement, hein. Je n'ai aucune idée de comment j'aurais pu affronter Hans Lindemann sans les schémas. Hans Lindemann? Oh, je parlais tout seul, ne fais pas attention à moi. Ah ouais. Oui, non, mais ça, on l'a déjà dit. Allez! Go! Mais go! Couchi. Non. Ouais. Mais là, si je replonge. Plonger. Je repars avec mon stuff. Attends. Plonge ou mon stuff? C'est pas ça? Vas-y, c'est ça. Ça, c'est mes tâches. De la corde et de la merde, ça m'en branle. Ouais, ça au fond, tout fond. Musique, météo, mini-jeu, calculatrice, album. Comment ça, mini-jeu? Pas de jeu à jouer, bah c'est super. Astuces, paramètres. Marrant. Y'a pas inventaire par exemple? Avance rapide. Non, mais là on est déjà à l'après-midi, donc ça veut dire que le matin est passé. Tout ce que j'ai trouvé là, c'est ramené, on est d'accord. Vous pouvez contacter des personnes via l'application téléphone si vous avez leur numéro. Jure. Dit, voilà. Donc là, oui, 0 kg. Ok, parfait. Trouver une corde et trouver de la ferraille. Une corde et trouver de la ferraille. Pas de la ferraille. Ok, une meilleure arme. Où est-ce que je vais trouver ça, moi? Oh!
corde. Et les pots sont méchants. La ferraille. Il y a une casserole. Bon, wap sa mère. Encore une corde. Je sais pas si ça sert à grand chose de le prendre. Quoi ça? Prends de la ferraille. Oh nice. De sauvetage. Ah c'est pour rentrer critical depths. Oula 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 oula. En oxygène. Ok. Il faut pas que j'aille trop profond sinon je suis dans la sauce. In the sauce. Hop là. Oh Sage. Non, non, cassez-vous les randoms. Bon, j'imagine qu'il faut pas toucher les méduses. Oh, les poissons, ils me ralassent. Oh du bout. Oh, eux, je les ai jamais vus. Non. Non, attends, on va pas vers le gros poisson. Oh, viens là, toi. Oui. Hop là. Oh, le petit bat. Il a failli s'échapper. Il y a un champ de quelque chose là-bas. Capsule de l'oxygène. Ça, c'est un WAM. Ça, c'est ma capsule d'oxygène, en coulée de ta mère. Mais c'est Critical Depths, non? Hop là, c'est quoi, non? Une étoile de mer. Manque d'air. Mais non! C'est faux. Ouais. Du cuivre. Et le cuivre sera peut-être plus tard. Arrêtez! Oh le kiting. Le kiting. J'allais dire le kiting est parfait, mais du coup, attends. Cassez-vous! Rascasse volante. Ah, c'est bon! Vous me lâchez un moment. Vous me lâchez la grappe. J'avais pas vu. Bah je vais prendre le cuivre et... Oh mais prends ça. Putain, mon mec s'est foutu de ma gueule. À moins que je puisse ramasser d'objets. Ah ok. Ah oui c'est ça le symbole au-dessus de moi. Non pardon, je me suis occupé. Je voulais pas t'insulter mec. Désolé. Vas-y go se casser là. Nouveau contenu, capsule de sauvetage. C'est la capsule de sauvetage pour retourner rapidement à votre bateau. Vérifiez d'abord votre environnement quand le processus d'appel peut prendre un certain temps. Ah mais j'ai oxygène illimité. Ah. Eh bien, je ne pensais pas que tu réussirais à la ramener. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à croire que je suis un bouffe, les fils de pute là. Je m'attendais à ce que tu périsses dans les profondeurs, pourrait-on dire. Mais ils veulent pas aller se faire foutre. Il semblerait que je t'ai légèrement sous-estimé, très bien. Je vais te montrer comment fabriquer le fusil sous-marin avec ces matériaux. Tout d'abord, télécharge le magasin d'armes de Duff sur ton téléphone. C'est bien optimisé, seulement 42 MO. Tu as collecté tous les matériaux, bien. Essayons de créer une nouvelle arme. Équiper l'arme immédiatement, bah c'est-à-dire que oui, si tu veux. Et, avec explication aussi claire, même quelqu'un comme toi devrait t'avoir compris. Eh bien, j'imagine. Oh, et encore une chose. J'ai pris des mesures pour te permettre d'ouvrir des coffres d'armes sous l'eau. Waouh, des coffres d'armes? Tu ne peux pas les sortir de l'eau, mais ils peuvent être utiles, pourrait-on dire. Oh, mais je collecterai des informations sur les armes que tu ramasseras et je créerai des schémas pour toi. Les armes fabriquées à partir d'un schéma ne se briseront pas sous l'eau. En tous les cas, ce maître te surveillera. Adieu éternité. Ah oui. Il est pas louche, c'est bien. Vous pouvez fabriquer des armes au magasin d'armes de Duff. Obtenez une arme plusieurs fois afin de compléter son schéma. Ok, vous pourrez alors la créer. À vous les armes puissantes.
Les armes peuvent être fabriquées plusieurs fois. Obtenu 7. Peut-être les objets secondaires, entre guillemets. Terminez votre journée et préparez le service. T'as quoi à dire? Ok. Casos. Ouvrir Banjo-Sushi. Alors attends, parce qu'il faut que je m'occupe du menu avant. Améliorer. Sushi de dorade rose peut être amélioré. Commencez à améliorer. Les ingrédients utilisés pour l'amélioration disparaîtront. Il faut 3 dorades roses. On peut améliorer de 1 pièce et de 22. Ben je sais pas trop du coup parce que... C'est-à-dire que si j'améliore... Oh, 2 pièces. Ok, l'amélioration est terminée. Du coup, je peux le re-améliorer pour encore 2 pièces. Et pour 12 de... Mais cette fois, ça va me coûter 4 au lieu de 3, quoi. Bah oui, oui, du coup, oui, je pense. Je pense qu'il faut tout le temps améliorer, en fait. Une remaster, j'ai eu un succès. Ok. Donc au menu. Je suis à base d'ail, vinaigre et wasabi. Menu de base nori maki. Poisson, thé vert. Une pièce. Ok. C'est quoi ça? Ingrédients possédés, menu utilisable, sushis dorade rose, poids, source, période. Ok, ça me parle de tous les poissons. La poiscaille. Le gel est un type d'algue rouge phalloïde, utilisé pour fabriquer de la gélose. Menu utilisable, d'accord. Pour l'instant, on peut pas l'utiliser quoi. Majoritairement, allez se faire. De requin entière rôti. Ah oui. D'accord. D'olive, ça c'est sauce soja. Ok, ok, ok. Oh, je vois. Ouais, vas-y, go. Du coup. Mais avance rapide, ça fait quoi? Ça passe le... Je veux pas passer la soirée, moi. Thé vert ou quoi? Non. Toi tu veux du thé vert? Mais c'est bon mon ref. Tiens régale toi. C'est qui est venu avant? En fait. Du thé vert. J'arrive madame. Juste. Voilà. Ok. Oh. Mon premier perfect. Le thé vert. C'est quoi ça? Voilà. Ah mais c'est les... Il faut pas rester à pied, il faut bien appuyer aussi. Allez monsieur.
Je vois pas bien ma jauge d'endurance. Oui, bah c'est bon, ça va aller quand même. Ça, c'est de la vraie nourriture. Merde, mon menu. Ah, ça va. Ah, mais du coup, ils avaient moins de choix, quoi. Faire gaffe à mon menu. J'y vais. J'ai obtenu une femme d'artisan. Ok. 78 pièces d'or. Lundi 3. Octobre. Es-tu Dave par hasard, Docteur Bacon? Non. Oui, de quoi s'agit-il, monsieur? Oui, waouh, j'ai toujours raison à propos de ces choses-là. Ravi de te rencontrer. Je suis le Docteur Bacon, je suis un archéologue qui étudie la civilisation du peuple marin. La civilisation du peuple marin? Je peux t'expliquer. N'as-tu pas de la chance qu'un expert comme moi t'en parle? Et pourquoi ils cassent toutes les couilles les PNJ? Peut-être que je n'aurais pas dû demander. La civilisation du peuple marin n'existe que dans les légendes. On dit qu'ils ont occupé mon cul. Ils vénéraient les poissons et avaient des branchies qui leur permettaient de vivre sous l'eau. Ils vivaient dans les profondeurs, ce qui leur permettait de s'épanouir sans se soucier des invasions d'autres civilisations. Mais des changements soudains au fond de la mer ont entraîné leur chute brutale. C'est à peu près toute l'histoire. Tout le monde pense que ce n'est qu'un mythe, bien sûr. Mais la preuve de leur existence a été trouvée à proximité même de cet endroit. Hein ? C'est une découverte incroyable qui pourrait bouleverser tout le monde académique. Une civilisation ancienne sous la mer. On ne verrait cela que dans les bandes dessinées ou les jeux. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils étaient réels ? Mon assistant a analysé de près un artefact trouvé à proximité et a découvert qu'il ne provient d'aucune civilisation connue. Après, ça peut être une autre civilisation inconnue, c'est pas oublié. Bon, voilà. Il date d'environ 1500 ans. Il n'y avait pas de civilisation dans ces régions à l'époque. C'est intéressant. Mais en quoi cela me concerne-t-il ? Eh bien, tu vois, les investissements en crypto-monnaie de mon assistant n'ont pas abouti. Il ne sera pas disponible pendant un bon moment. Ouais, je vois, ouais, c'est un crypto-bro, ouais. Pourquoi j'aimerais que tu m'aides ? Oh. Mon assistant m'a dit que l'artefact a été trouvé à environ 70 mètres de profondeur. Va jeter un coup d'œil. Nous sommes occupés avec le bar à sushi. Je ne pense pas que nous puissions... Ah ! Désolé d'interrompre la conversation. Je suis Cobra, je travaille avec Dave. Bien sûr, nous devrions vous aider. Nous le ferons avec plaisir. Yahaha. Quoi ? Nous n'avons pas le temps de nager à la recherche d'artefacts. Réfléchis bien. Si une civilisation sous-marine est découverte, d'innombrables personnes apprendront ici. Banshu Sushi sera plein à craquer. Je suppose que tu as raison. D'accord, je vais vous aider. Ah ah, quelle chance. Oh, bien sûr, je ne te demanderai pas de travailler bénévolement. En échange, je vais améliorer gratuitement la combinaison de plongée que tu portes. Waouh. Avec une combinaison de plongée améliorée, tu pourras t'aventurer plus profondément. C'est essentiel pour l'exploration. Tu peux gérer ça avec une application. C'est fou ce que la technologie peut faire de nos jours. Installons d'abord l'application e-diver avant de continuer. iDiver. La Didi. L'application... Ça fait penser à Didi. L'application iDiver vous permet d'améliorer différents équipements de plongée. Améliorez vos équipements avec l'argent que vous gagnez au bar à sushi et ailleurs, puis explorez des eaux plus profondes. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment utiliser iDiver. Je vais installer l'application pour toi, alors déverrouille d'abord ton téléphone. Oh, les tutos rallongent, JPEP, des tutos rallongent. Améliorer. C'est quoi qui fait des bips? C'est la flèche. Améliorer gratuitement la combinaison de plongée, je vais péter un peu. Réservoir d'air, combi de plongée, caisse de transport, bien. Oui, c'est bon. Profondeur max. Ok. Je vais plonger plus profondément. Bien, maintenant tu vas pouvoir t'aventurer un peu plus en profondeur. Une fois que tu as assez d'argent, utilise iDiver pour améliorer ton équipement. Tu peux améliorer ta combinaison ainsi que ta caisse de transport et ton réservoir d'oxygène. Mais c'est pas censé être gratuit vu que je t'aide. N'oublie jamais que tout peut arriver dans les eaux profondes. Je reste en contact. Ouais, casse-toi, ouais. J'ai eu un succès. Au revoir. Améliorer mon équipement. Bon, attends, c'est quoi les autres améliorations? En 15 au lieu de 90, au max 13 kilos. 13 kilos? Oh!
Let's go. Mais j'ai réussi à stream sur Firefox. Ah, c'était donc la 7.1 qui marchait pas. Je vais réessayer. Non, je vais pas réessayer. En 7.1, Firefox, il peut pas. Bah, il veut surtout qu'on aille se faire foutre, apparemment. Oh, une arme. Bon, tenue pointe de harpon choc. Où est-ce qu'il est ? On peut changer ? Avec le fusil. C'est pour fumer des. Fumer les méchants. Les méchants ! La grosse moula, c'est ça ? La grosse moula. Il y a des méchants. Les méchants. Quoi ? Mais c'est le bâton. Le bâton. La bâtonnade ! Ils veulent quoi eux ? Ils me suivent là ? Et vous me suivez pas, hein ? Je fume. Oh non, un nouveau mini-jeu. Oh, de la sèche. Moi, je veux de la sèche. M'en fous. Ah, chope-le. Deng. Deng Kong, en fait. Quoi ? Un cadavre ? Un os. Ok. Du verre. C'est quoi qui fait de l'électricité, là ? Hop là! Ah, lui aussi. Non! Ça, c'est de l'oxygène. C'est quoi ça? Oh, un caillou rose. Coquillage rose. Hop là, ça, c'est mon fer, bâtard. Mais plomb, menti. De l'algue, une arête plomb, ouais, je l'arrête. Allez, venez là! Non! Ils sont si rapides. Même moi aussi! Même! Oh, je. Non, mais par contre. Que j'ai l'air un peu moins d'être un petit peu plus quand même. Quoi ? Comment ça ? Ouais. C'est pas le même poisson. Pourquoi ? Nice. J'espère qu'il va pas peser lourd ton artefact parce que. Bon, allons prendre l'oxygène avant de remplir notre inventaire. Non ! Putain, je me suis trompé de couche. Putain, le con. J'aurais pu regarder ma. J'aurais pu garder ma machine en sécurité, quoi. Au lieu de ça, fragment. Ah non, c'est un fragment d'arme. Pas de munitions, pas besoin. Oh! Oh Dave, je crois que c'est le bon. Retourne sur le bateau, sain et sauf, je t'attendrai. Allô? La craque! La craque originelle. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je vais devoir retourner sur le bateau tout de suite. Ah bon? Mais je voulais pêcher moi. Kraken il nous a pas attaqué, c'est pour une bonne raison. Viens là toi. Viens là, je te fracasse. Oh, attends si je fais. Hop. Et qu'après t'es. Voilà, tu stun et là je te mets des grands coups de matraque. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Ah merde. Putain, 18 kilos? Ah mais oui, mais c'est l'artefact de l'autre con. Bon bah go. Go se casser. Cassos. Cassos les amis. Non, pas toi. Oh le grid.
Oh la gridance. Je fume. Oh non. Bon bah la gridance qui ne servira à rien. Non, cassez-vous, vous. Cassez-vous, cassez-vous. Non, putain. Allez, dans ta mère. J'avais pas vu le poids, j'avais pas vu le poids. C'est bon, c'est bon. Eh gros, ça y est. Oui, ben je sais, mon ref, je sais bien. Mais de toute façon, je suis à la surface, donc calme-toi. Même. D'accord, vous l'avez sorti en toute sécurité. Il semble être en très bon état. On dirait presque qu'il a été stocké quelque part jusqu'à récemment. Mmh, très intéressant. Ça pourrait même être la découverte du siècle. D'accord, Dave. Continuons à travailler ensemble et à découvrir les secrets du peuple marin. Quoi ? Je pensais que je ne vous aiderais qu'une fois. Bien sûr, n'en dis pas plus. Il suffit de placer notre restaurant en tête de liste des affiliés. Ce ne sera pas difficile à faire. J'ai un très bon pressentiment. Je reste en contact. Casse-toi bien, ouais. Oh, pas du curcuma. Profondeur, obtenu. Donc c'est les objets, j'imagine, obtenu 3, ça fait 5. Ça fait 8, ça fait 10, 11, ouais, c'est ça. Mes roubrum. Dave, pendant que tu étais en mer, les réparations ont été effectuées. Allons au restaurant. Utilisez une flamme d'artisan pour rechercher de nouveaux plats. Oh, waouh, c'est très joli. Bah, c'est comme à la base avant le tremblement de terre, quoi. Ah, peu importe que la nourriture soit délicieuse, le restaurant ne peut pas être désordonné. Ah, si tu veux changer l'intérieur, le menu intérieur ci-dessous est ouvert. Alors n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Vous pouvez maintenant changer librement l'intérieur du Bancho Sushi. Utilisez l'onglet inférieur, sélectionnez un style pour le podium. Ah, mais... Comme l'a dit le Dr Bacon, si les restes du peuple marin sont trouvés ici, les clients viendront. Mais... Cette région est un peu isolée. Je pense donc qu'il me faudra un moyen de faire connaître le magasin d'ici là. De nos jours, il est pratiquement impossible d'attirer des clients sans publicité. Ah, as-tu essayé l'application des réseaux sociaux appelée Cooksta? Je veux dire l'application des réseaux sociaux que les jeunes utilisent pour publier des photos de la nourriture qu'ils mangent. Oui, c'est comme ça que toutes les entreprises font leur promotion ces derniers temps. Je ne comprends pas pourquoi les gens perdent leur temps de la sorte. Les sushis laissent une impression sur le cœur, pas les photographies. Quand bien même, ne vaut-il pas mieux l'utiliser plutôt que de laisser les gens ignorer ta cuisine, Bancho? Tu n'as pas tort. Créer un compte est facile, alors essaie. Il faut d'abord s'inscrire et créer le hashtag Bancho Sushi. Ensuite, c'est fait. Eh bien, ce n'est pas aussi compliqué que je le pensais. Désormais, les clients satisfaits de ta cuisine suivront Bancho Sushi. Je n'en suis pas si sûr, mais d'accord, j'ai compris. Je vais également installer l'application Cooksta sur mon téléphone et consulter les publications des abonnés. Augmentez votre note dans Cooksta. Plus de clients... plus de clients vous rendront visite et de nouveaux aliments seront débloqués. Les conditions de déverrouillage des nouvelles notes, peuvent être consultées dans l'application Cooksta. Alors, attends. Table en bois, normal. Oriental moderne. Ok, bois léger. Je sais pas. C'est bien ça. Ah, mais ça, il fallait l'acheter. Non, je l'ai pas acheté. Dites-moi que je l'ai pas acheté. Je crois que je l'ai acheté. Je suis un bout. Non, mais non, on branle en fait. C'est de la décoration à acheter, c'est d'autres cobras. Oui, vas-y, c'est marrant. Non, mais casse-toi. Ah non, non, annulé. Appliqué. Oui. Voilà. Bon, je me suis un peu foutu de la gueule du monde, mais c'est pas vraiment grave. Ça, on s'en branle. Ça, on s'en branle pas du tout. Je peux améliorer des plats.
go les améliorer. Ah putain, ça me termine. Ok, ok, ok. Hop, ça s'améliore. Voilà. Let's go. Et du coup, on va mettre celui-là au menu. Hop. On va mettre celui-là. Celui-ci. Et celui-ci. Il faudra pas que j'hésite de changer quand j'en ai plus. Ah, j'ai pas regardé le prix. Ajouter ingres, échanger. Je suis un fils de pute qui n'a pas regardé le prix en fait. Genre par exemple, hein, par exemple, celui du niveau 3 là, il me file 25. Comment ça tout jeter? Non, jette pas, jette pas. Premier menu. Les aliments restants seront jetés. Ah non. Bon bah, tant pis, hein. Pas grave. On vendra demain les poissons gâchères. Téléphone. Oupsta. Donc voilà. Avec des dollars bien sûr, des prix raisonnables. Open at night, best favor, special price. Niveau supérieur. Abonné, 0 sur 10. C'est comme Twitch. Il y a des succès. Voilà, dingue. C'est quoi ça? Comme ça quand on prend une photo de profil, c'est difficile. Mais je mec, c'est exactement comme ça. Lâche rien. Prends tes rêves. En vrai quoi, en tes rêves? En vrai, no joke. J'ai 356 boules? Ah ouais? Bah c'est quoi dans ma vie? Vas-y gros! Ah mais c'est l'après-midi! Et on peut pas aller à moi? Ah ah! Les choses se présentent bien. Tu souhaites changer de style? Oui, on l'a déjà dit mec. Les aliments avec un score de goût élevé augmenteront la satisfaction des clients. Ne cesse jamais d'apprendre. Il dit ne cesse jamais d'apprendre à la fin. T'as un autre truc à me dire, moi? Je sais que les journées sont chargées. Mais si les ingrédients ne sont pas prêts, nous ne pourrons vendre que des norimaki. Assure-toi de tout préparer. Les préparations des ingrédients avancent bien. Prépare les menus avant les heures d'ouverture. Ouais, mais là, j'aimerais juste aller pêcher, en fait. Miaou! Momo. Momo le petit chat! Un chat dans un Ghibli, ça? Momo? Dans... C'est quoi, c'est ma sorcière? Non, c'est pas ma sorcière. Sourire d'enfer? Oui, c'est sourire d'enfer. C'est pas un chat qui s'appelle comme ça, alors? Nono ou... pas Nono, Momo. On laisse bon, gars. Peut-être Nono, du coup. Effectuez régulièrement les bonnes améliorations sur la clé pour éviter votre chute soudaine. Notre chute soudaine? Mais ça va, vous voulez pas être effrayant quand vous parlez? Comment ça, notre chute soudaine? Mais je vais pas perdre le jeu dans la seconde. Oh, jure! Yo, mon ref! Alors, comment t'expliquer? Je suis pas vraiment... Hein? Un dauphin? Il semble me demander de le suivre. Devrais-je essayer de le suivre? Bah oui, ça me semble évident. Ces poissons que je rate. Oh! Oh non! Oh, un dauphin rose est pris dans le filet. Il me demandait donc de secourir son ami, de récupérer ce filet. Oh, pardon. Ah! J'avais pas vu. J'essaie de le couper à la main. À la mano. Oui, il est rose. Ça n'existe pas, les dauphins roses. Enfin, après, les kraken, ça n'existe pas non plus, mais bon. Enfin, on sait pas. Alors que les dauphins roses, bon.
So long! Hein? Il semble avoir laissé un cadeau. Vous savez même pas que les dauphins avaient des partenaires. Comment ça? Ah, mais elle est rose parce que c'est sa meuf. Ah ouais. Ça vaut probablement beaucoup d'argent. Ok, bah c'était pas giga subtil le fait que ce soit sa meuf du coup, mais... Allez! Qu'est-ce que c'est cette merde? Un fusil qui tire 3 balles à la fois. On va essayer de nouvelles armes pour permettre de... On l'a déjà dit aussi. Attends, parce que... Il y a lui qui veut se battre là. Hop là! Dans ta mère! Pas pu venir celui-là. Oh. Non. Non. Oh oui, reviens. Reviens là. Tiens, mon harpon il pue! Pourquoi ma harponnade elle pue du chiac? Non, allez. Hop là, ça c'est Awam. Ça c'est Magirel Paon, enculé de ta mère. Un poisson clown. Le petit clown. La poissonnade. L'oxygène là. J'irai après. Non. Oh. Nice. Ok. Ok, let's go. Encore des poissons clowns. Un petit clown comme ça. Oh, les poissons roses là. Oh, ils sont trop beaux. Oh, poisson barbier. Mais j'en ai déjà pêché. Ça me dit rien comme ça. Ça me disait rien en les voyant. Le pêcheur fou. Deviens le pêcheur fou. Deviens le goguenard. Non! Ah le plus bad! Belle esquive, belle esquive. Pas trop le malin quand même. Parce que t'as esquivé la première fois que. Pas forcément t'en sortir sur la seconde. Comment ça manque d'air? Ah oh, bah là, il y a une bouteille d'oxygène. Ça, c'est ma bouteille d'oxygène, enculé de ta mère. Non, viens pas. Hop là. Hop là. Le bout. Ah merde. Non, arrête. Ah putain, mais je suis bientôt plein en fait. Ça ne sert à rien. Pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? Jouer marteau endormi. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais il endort parfois les poissons. Chance d'endormissement immédiat. Ah ouais. Oh la pure dingue. Mais ici les poiscailles que je vous pêche. Non. Oh. Même. Oh, ça me gratte l'oreille. Ça me gratte l'oreille, je vais péter un bouton. Non, le micro. Le micro. Non, casse-toi le micro. Je déteste. Non. Oh, j'ai... Vous m'entendez peut-être pas bien? Parce que j'ai enlevé mon micro en fait. Il m'a cassé les couilles. Dans peu de temps, je promets, hein, dans peu de temps je le remets. C'est une promesse que je vous fais d'abord à vous. Et que je me fais à moi ensuite. Ok, parfait. Par contre, je vais pas mentir, la dalle. J'ai la dalle. J'ai pas bien mangé aujourd'hui, je suis un fils de pute. Allez, cassos. C'est déjà le soir. Je me sens raide. Malgré tout, Bancho travaille seul, je devrais probablement l'aider. C'est pas facile à gérer avec deux personnes avec... Ah oui, avec de plus en plus de clients qui arrivent. Pas assez de travailleurs. Ah. Il va donc falloir embaucher...
Bonjour. Oh putain, c'est encore un PNJ super relou ça. Voilà, c'est bon. Regarde autour, Yoshi. C'est le restaurant de sushi de Bancho, hein. Madame Yoshi. Je suis venu car j'ai entendu dire que cet endroit devient populaire sur Kuta. Le nom m'a fait hésiter, mais de là à penser que c'est vraiment ton établissement. De nouveaux plats utilisant des ingrédients jamais vus auparavant. Impossible de goûter ça ailleurs. Un chef taciturne mais masculin. Quoi ? Mais c'est-à-dire ? Waouh ! Est-ce qu'il parle de moi aussi ? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici, Madame Yoshi ? Je crois que t'es pas assez masculin, Dave. C'est le problème. Oh, pour diverses raisons. Je voulais vérifier le restaurant. On dirait que tu es toujours le même. Eh bien, il n'y a rien à changer. Je continue simplement à m'entraîner jour après jour. Mon Dieu, c'est ça le problème. La dernière fois, tu as refusé de m'écouter de la même manière. Et c'est ce qui t'a fait virer de l'hôtel. Tu en parles encore. C'est de la faute du client qui juge la nourriture sans même l'avoir goûtée. Combien de temps vas-tu continuer à traiter les clients de cette façon ? À faire de la nourriture épouvantable. Quoi ? Comment ça épouvantable ? Bah, comment ça épouvantable ? La tête de requin entière rôtie est un plat excellent. Le requin a été utilisé dans la cuisine à la fois en Occident, je vais y arriver, et en Orient et en Corée. Il a même été utilisé dans des rituels ancestraux. Arrête, tu n'as pas du tout changé. Laisse-moi donc juger par moi-même si c'est de la nourriture propre à la consommation. Je pourrais alors te dire pourquoi je suis venu. Très bien, je vais te montrer. Je vais m'assurer que tu connaisses le vrai goût de la viande de tête de requin. Bancho, cette évolution n'est-elle pas un peu soudaine ? Dave, en tant que chef, c'est un combat que je ne peux pas refuser. Ma fierté est en jeu. S'il te plaît, apporte-moi une tête de requin corail et de l'huile d'olive. Tu veux que je capture un requin corail ? Oui, avec tes compétences, cela devrait être assez facile à faire. Merci mec. Mais un harpon ne suffira probablement pas. Prends un bon fusil avec toi au combat. Néanmoins, combattre un requin semble beaucoup trop dangereux. Vas-tu simplement rester les bras croisés à regarder pendant que ma fierté est piétinée ? Bon. Toi le chef, t'es masculin, tu vas chercher le requin, quoi. Enfin, je dis ça après, ouais. Voilà, quoi. C'est ce que tu veux. Le requin corail est généralement trouvé dans l'océan tout à fait à droite. Bonne chance. Il veut tout à coup que je lui procure une tête de requin. C'est absurde. Et il ne peut être tué qu'avec un fusil. Je vais demander à Duff de me fabriquer un fusil. Ou en chercher un dans le trou de... Ah oui. Ça me semble évident. Nouveau contenu client spécial. Parfois, des clients spéciaux entendront parler du bar à sushi et viendront le visiter. Apprenez les plats que les clients veulent. Je vais y arriver. Apprenez les plats que les clients veulent grâce à la recherche et servez-les aux clients. Vous pouvez désormais rechercher de nouvelles recettes. Utilisez la flamme d'artisan pour élargir votre menu. Alors, tu parles ? Peu importe à quel point tu es occupé, tu dois faire des recherches culinaires. Il y aura des clients à la recherche de nouveaux plats au menu. Alors. Ah oui, parce que je les ai... Oui. On va les supprimer du menu. Enfin, je crois pas. Bon. Ah, une tête de requin entière rôti. Recherche. Tête de requin entière rôti. Une flamme d'artisan sera utilisée pour rechercher de nouveaux menus. Donc, 3 flammes, là, en l'occurrence. 53 pièces. Et 60 de gustativeness. Et 5 de bol de riz. Je sais pas ce que c'est. Tête de requin corail, huile d'olive. Recherche. Évidemment. Ok. Faut que j'augmente mes notes de Kusta, apparemment. Ingrédients. Viens, on m'en branle. Ouvrir Bancho. Oui, de toute façon. Je vais pas aller chercher une tête de requin maintenant, on est d'accord. Ah d'accord, là je peux pas partir. Ah si. Non mais parce que ça passe à demain matin là, je comprends pas. Non mais tu sais quoi, quand je serai allé chercher un requin demain. Ah non, elle veut une tête de requin rôti. Bah je l'ai pas, mais... Thank you.
pour le repas. De rien, madame. Un plaisir. Bien, c'est bon. C'est le début. J'ai bien fait de venir, je me sens beaucoup mieux maintenant. Quoi? C'est-à-dire? Ah, ça. Je pense que je viendrai souvent ici. Nice. Ça a l'air bon. Allez, plus vite là. C'est quand même, de bêtises. Des barres à sushi de Bancho, incroyable. Ouais. Putain, mon menu. Le con, le bouffe. Putain, c'est vrai qu'il y a mon menu là-haut. Je le vois que à la fin à chaque fois. Bah oui. Je me suis foutu de la gueule du monde, mais c'est pas très grave, like du jour. Nouveau 6, total 6. Charbon rang. Quoi? Je rends charbon? Je suis vraiment... C'est comme les blagues sur les rangs LOL, c'est ça? Mais c'est ML4. Je suis charbon 1. Charbon une étoile. Une. Sushi de Malacante à tête mauve. Ok. Let's gong. Pour ça, ça va. Grave sympa. J'aime bien. Même. Hello. Hey Dave, j'ai une bonne nouvelle. Qu'y a-t-il, Dr Bacon? Vous avez l'air heureux. Vous avez l'air heureux. J'ai analysé l'artefact que tu m'as apporté et j'ai détecté une quantité importante d'une substance inconnue, la matière noire. Je pense qu'il s'agit de fer comprimé en profondeur sous l'eau. Mais c'est pas inconnu du coup. Mais il émet une longueur d'onde unique. Ok, c'est peut-être inconnu. Je me suis lancé et j'ai mis au point un radar qui ressemble tout à fait au radar dans Dragon Ball, oui. Pour suivre ces ondes. Oh, et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Ah, un peu timide aujourd'hui, n'est-ce pas? Quoi? Ce radar te sera certainement utile lors de ta prochaine expédition. Comment ça, ma prochaine expédition? Cobra m'a forcé à y aller la dernière fois. M'a remis un contrat avec ton nom dessus. Les frais d'annulation en cas de rupture du contrat s'élèvent à plus de 20... Quoi? De quoi parliez-vous tous les deux? Ah, ne sois pas si rigide. Vérifie le signal pour que je puisse tester le radar. Je sais pas comment faire le super. Donnez-le-moi. Je vous dirai si ça marche et pas plus. Signal du peuple humain. Un requin à droite, une arme. Donc une arme, un requin à droite. J'ai pas vu les publications. Requin corail, ça ressemble à ça. On go à droite dès qu'on trouve l'arme et on va trouver l'artefact de l'autre con. Et c'est pas mal. Et peut-être de la poiscaille quand même. Pour nourrir les autres clients. Alors. Ah mais j'ai un flingue. Mais c'est bon. Mais c'est juste barre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je mets des petites poiscailles là. Quand je serai pas nul. Ouais, quand je serai meilleur quoi, globalement. Là je me fous de la gueule du monde. Après, je peux peut-être trouver une meilleure arme. Pas mal ça. Sur l'emplacement du signal. Ok, go sur l'emplacement du signal et après on va aller chasser le requin. En passant par contre, hop là. Poiscaille quand même. Là, je me trompe de touche à chaque fois. Le bouffe. Pas quoi pour moi aujourd'hui. C'est bien ça. Ah, si je me trompais pas de touche aussi, comme le bouffon que je suis. Y'a plus le mini-jeu avec les... Ah, y'en a un con là. Hop là. T'attendais pas à ça, hein. Nice. Mais... Ah. Non. Comment ça, la Xbox. Pas d'accord. C'est là non? Voilà. Je pense pas. Oh. C'est bas encore? Non, casse-toi. La rascasse.
amélioration d'armes. Axel. Vas-y, améliore, améliore. Hein. Non, arrête. Non. Ah, si j'étais pas nul aussi. Allez. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Ah, mais je suis trop lourd du coup. Bon, vas-y, go. Bah non, pas go en fait. Pas go du tout. Attends, ça fait qu'un poisson ça? Après, c'est rang 2 par contre. Ça dégage. Rang 2, 2 étoiles. Je dégage aussi. J'ai des rangs 1, 2 étoiles. Tu as combien en poids là? Je vois pas mon poids total. 10.4. Je vois qu'il y a le requin et potentiellement un autre truc. De l'ancienne civilisation, quoi. Voilà, en argent. Pas besoin de bol, ça va. Quoi, là, j'y mets. Espèce d'alpe marine marron. Oh là! Oh! 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 Tout le monde se calme. Tout le monde reste calme. Là, comment ça? Ah mais de toute façon il m'avait dit. Allez. Prends. Voilà. On va faire du requin ce soir. Tête de requin corail. J'en ai 5. 2,5 kg. Bah toujours plus non, à la limite. Pourquoi ils sont tous les deux différents eux? J'en ai 2. Ah mais non. C'est quoi le truc de 5 alors? Oh, c'est un S pour quête. C'est où? C'est là? Non, c'est pas là. Hein. C'est où? Mais je suis trop lourd. Oh, vas-y. Oh. Ouais, mais je veux ça là. L'emplacement de Sinus, oui, non, mais j'arrive. Juste, j'essaie de me repérer dans l'espace-temps là. C'est pas particulièrement facile. La ferraille m'en branle. Par où? C'est quoi ça? Ah, cassez-vous! C'est ça? Quoi? Corde. La WAM. Les barracuda. La barre. Ah! Comment ça? Non! C'est encore plus profond. J'ai envie de péter en fait. Mais je vais crever. Oh, dites-moi que je vais trouver des. Allez là. Une bouteille d'oxygène. Passez. C'est quoi ça? Gueule. Oh non. Non. Oh, une bouteille d'oxygène, je vous en suis. Oh, j'ai tellement fini de coincer. Oh, je trouverai jamais d'oxygène. Non, mais c'est mort. Voilà. Waouh, c'est donc ici. Oh, faut que j'arrive à ce truc. Voyons voir. Le signal vient de l'intérieur. Oh, je suis tellement mort. Il y a des lettres que je n'ai jamais vues écrites sur le pilier. Si nous avions un outil particulier, nous pourrions écarter ce tas de rochers et essayer d'entrer à l'intérieur. Je pense qu'il serait préférable d'en parler à Cobra. Remonte pour l'instant. Ouais, je remonte là. Je vais remonter. On essaie de nous parler. Oh, aidez-moi, s'il vous plaît, de l'oxygène. J'ai cru entendre quelque chose. Oh non! Non! Mais tout à l'heure j'avais oxygène illimité sur ce truc. Choisis un objet. Bah, j'aurais bien choisi ta daronne, mais. Tête de requin de corail. Oui, bah oui. En même temps, le requin m'a fumé et après, j'ai pas trouvé d'oxygène. Dave,
Ce trouble géant semble bien plus dangereux que n'importe quel autre. Fais toujours attention à ton oxygène et utilise la capsule de sauvetage lorsque tu es en danger pour sortir rapidement. Qu'est-ce que j'étais en train de faire, petit fils de pute ? Je peux te secourir si tu manques d'oxygène, mais tu ne pourras ramener qu'un seul des objets que tu as collectés. Mais ça, on l'a déjà dit. David, Dave, tu as un succès. J'ai trouvé un endroit avec un signal de la civilisation du peuple marin. Merde, je vais m'étouffer avec ma bave. Je ne peux pas contenir ma soif de savoir pour y jeter un coup d'œil. Je ne peux pas me contenir ma soif de savoir pour y jeter un coup d'œil. Ouais, c'est 3 gigas français, mais ok. Je suis actuellement à un symposium important. Parlons d'abord à Cobra. Je passerai demain. Hein ? Comment se débarrasser des tas de rochers ? Tu devrais utiliser une bombe, bien sûr. Peut-on faire exploser des bombes sous l'eau ? Tu ne parlais pas d'un tas de rochers quelque part dans les profondeurs ? Je suis sûr que ça ira. Faisons confiance au pouvoir régénérateur de la mer. Essaie à nouveau de faire passer les choses au second plan. Mais il y a un problème. Les navires de liaison n'arrivent plus ces derniers temps. J'ai besoin de recevoir une livraison d'un expert en bombes que je connais. Apparemment, le navire a disparu des radars. Je pense qu'il a coulé. Si je pouvais utiliser le drone que j'ai commandé, nous pourrions récupérer les provisions. Dave, pourrais-tu aller en mer et récupérer des matériaux pour drone ? Des matériaux pour drone ? Comment suis-je censé les trouver dans l'océan ? Il est immense. Les caisses de livraison ont probablement été transportées par les courants océaniques. Cherche un endroit avec des courants marins. Cela semble dangereux. Ouais, surtout quand t'as pas d'oxygène. Oh la dingue. Ah ouais? Comme ça. Oh, c'est Sacha. Jure Sacha. Hop hop. Toi, tu en sais beaucoup sur ce trouble géant? Eh bien, je ne sais pas trop quoi répondre à ça. C'est différent à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est le meilleur endroit pour collectionner les Marinka. Vous pourrez compléter ma collection dans cet endroit. Ça s'appelle Sato. Marinka? Quoi? Ne me dis pas que tu connais pas les très populaires cartes marines à échanger Marinka. Bah, c'est pour ça qu'on dirait Sacha. C'est parce que c'est effectivement Sacha. Comment se fait-il que tu n'aies jamais entendu parler des cartes futuristes qui utilisent un système de reconnaissance de l'IA qui correspond automatiquement aux poissons dans la vie réelle? Ah ouais. Je n'en ai pas jamais entendu parler. Ça a l'air amusant. Tu sens bien en retard sur ton temps. Laisse-moi t'aider à installer l'application. Donc tu fais ceci, ensuite appuie ici, touche ça, ajoute un ami. C'est fait. D'accord. Que dois-je faire maintenant? Ce qui est incroyable avec ces Marinka, c'est que tu n'as rien à faire de spécial. Il suffit d'attraper un nouveau poisson pour obtenir une carte. Vérifie les cartes régulièrement sur l'application, et c'est tout. Je vois. Je pense que je pourrais facilement voir quel poisson j'ai déjà attrapé jusqu'à présent. C'est exact. C'est presque comme un « Waouh ». Tu ne veux pas prononcer ce nom, je comprends. Tu ne veux pas prononcer ce nom, je comprends. Je vais l'essayer. Oh, j'ai oublié de me présenter. Un peu comme un quoi ? J'ai pas compris. J'ai pas pubé le live, je suis un fils de... Oh, j'ai oublié de me présenter, n'est-ce pas ? Je m'appelle Sato. Je vais te donner mes coordonnées. Contacte-moi si tu as des questions. A plus tard. Chouchou. Et bien, chouchou à toi, j'imagine. La capture de poissons vous permettra d'obtenir automatiquement des cartes Marinka. Vous obtiendrez des cartes plus élaborées en attrapant des poissons de qualité supérieure. Il est temps de vérifier le niveau d'équipement. Comment ça ? Mon colis n'est pas arrivé et cela fait un moment. Je me demande ce qui ne va pas. Récemment, je l'ai récupéré parmi les restes flottants d'un bateau naufragé. Je croyais que tu l'avais pas eu. Tu as dû avoir une sorte d'accident. Un accident soudain dans ce trou bleu isolé. Je crois avoir vu un énorme calamar il y a quelque temps. Mais pas à cause de cela, n'est-ce pas? Un calamar géant? Tout peut arriver ici. Reste toujours sur tes gardes. Plus d'ordinateur, moteur, objectif de l'appareil photo, servir une tête de requin entière. Ouais, c'est reparti. C'est retipard en fait, mais du œuf au plat. Généralement d'une largeur de moins de 17 cm, mais pouvant atteindre jusqu'à 40 cm. Comme son nom l'indique, elle ressemble à un œuf au plat. J'ai pas vu. Il a changé le... Ah mais oui, c'est normal. La mise à jour qui a fait ça. Ok. Tac, tac, tac. Back to game.
Oui, il m'a dit. Le trouble géant. Allô ? Ma manette ? Mon vélo ? Comment ça t'es devenu ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'ai plus de manette ? J'ai plus de manette. J'ai pété un boulon. Je vais péter un boulon. Attends, paramètres. Résolution, hop, hop, hop. Résolution des touches. Ah, je peux pas faire me casser par exemple. Retourner sur le bateau. Ah non. Bon, on va faire. On va faire à la main. Ok, ça c'est pour tirer. Ok, nice. Enfin, on va faire à la main. On va faire au clavier-souris. J'ai besoin de quoi ? Ah oui, où sont les courants ? Ah ouais, non, mais gros. Les courants, ça m'a un peu mis dans la source la dernière fois, je vais pas te mentir. Point de harpon poison. On accélère. Oh. Épée japonaise bon marché. Un lance-sable de samouraï tranchant, il donne l'impression d'être imprégné de la haine d'un guerrier, mais il est vendu à bas prix sur le marché nord-coréen. Attaque de cac. Ok, c'est mage pour accélérer. Ah, les barracuda, on ferait bien là. Ah, bah, du coup, dès que je vais là, c'est chaud quoi. Je vais baisser mon oxygène en fait. Oh, il est méchant là. Mais c'est un vrai barracuda ça, les autres c'était pas ça. C'est pas marrant. Espèce de déplacement quoi. Pendant combien de temps ? Quel chiffre ? Oh. La dingue. Nice. Non. Allô. Je perds même pas ce qu'il y a dans le coffre. La bouffe. Munition, une arme. Chance d'endormissement 40% en capture de créatures de la plus haute qualité. Broken. Dégâts de harpon plus 3, 2 dégâts, et 1 seconde pendant 8 secondes. Ça c'est un fragment, c'est ça. Le sauvetage Lakers. C'est quoi ça? Une fiole. Pas trop quoi en faire de la fiole, mais. Les gars, du harpon. Et ça remplace. Ça remplace, on est d'accord. Ah, elle a l'air broken celle que j'ai. Pourquoi je le fume lui ? Ah quoi ? Bah. Là il y a du courant. Ah mais si. Ah là là. Ah non, j'ai pas l'air de pouvoir passer. Hein. Ah mais il y avait un point d'exclamation donc c'était un truc de quête. Ok, quête d'ailleurs. Là aussi. Quel depth. Ah ouais, mais là, je suis dans le bac. Oh non. Non, pas comme ça. Là, j'ai encore Creed. Mais on peut aller nulle part, là, dans ce jeu de myrte. Oh, remonte, remonte, remonte. Tranquille, tranquille, tranquille. Tranquillement. Non, 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 non. Oh, c'est pas un... C'est pas ça, juste. Je me suis dit que c'était peut-être une bouteille d'oxygène. Vite,
que je remonte là. Reste pour moi. Allez, une petite caille par là. Coffre d'armes. Oh, il y a un coffre là. Oh. C'était une bonne idée. Oh. Oh. Oh non. Oh la chatte. Oh, oh la chance. Oh la chance que j'ai eue. Donc on a bien oxygène illimité, ouais. C'est juste que le jeu s'était foutu de ma gueule tout à l'heure, quoi. Game. Casse volante, ouais. Mais du coup, j'ai zéro poids sky. Oh. Oh putain. Alors menu, ajoute le menu, alors attends avant, ok ça va, j'ai de la poste quand même, améliorer. Tac. Bon déjà, mets ça dans le... Mets ça au menu. Non. Ensuite, c'est quoi qui me rapporte le plus ? Ça c'est 10. Oh, 22 et 25. 25. 22. Ensuite, j'ai un truc à 19. 9. Et c'est bon. Ingrédients, recherche, t'as quoi en recherche ? Fermé, intérieur manqué. Ingrédients, mon branle. Personnel, on fout. Le tel. Non, magasin d'armes, ça me. Ça m'importe. Kuksta. Passe quoi sur Kuksta. Les sushis passionnants la nuit. Ok. Les sushis bleus, la couleur de la mer, c'est délicieux aussi. Un artefact du peuple marin, quel jour de chance. Il faut manger des sushis les jours comme ça. Ah. Les sushis sont bons ici, je n'aime pas le gars étrange qui les sert cependant. Ok, je vais rien dire. Les sushis passionnants la nuit. Non. Deux super récompenses. Ok, ma page. Charbon, bien sûr. Nouveau charbon. Oh. Appel ? Comment ça appelle ? Ah oui, non, mais si je veux appeler des gens, oui. Ça va ouvrir. Hein. Ouvrir et après ça part sur. Pas que j'oublie de changer le menu quoi. Ah j'ai 5 têtes de poisson grillé là. Ah mais c'est cassé. Ah non, ok. Je crois qu'elle s'était tout bonnement foutu ma gueule. Arg dégoûtant comme d'habitude. L'aspect me coupe l'appétit. Toutefois une promesse est une promesse. Ah bon? Ok. Qu'en penses-tu? C'est bon, c'est savoureux. Je peux sentir la graisse de requin corail à l'intérieur du rôti croustillant. Mais ce n'est pas une saveur trop écœurante, c'est gingembre. Le parfum du gingembre se mélange à la saveur forte de la tête. C'est tout à fait délicieux. Ah, pardonne-moi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Le livre des 5 anneaux affirme qu'il faut s'intéresser à l'essence d'une chose plutôt qu'à son apparence. Les requins ont une apparence terrible, mais leur viande est robuste et leur tête a un goût délicieux. Cette tête de requin en pierre rôti pousse ses caractéristiques à leur maximum. Je dois la mettre, c'est bon, tu as réussi, bonjour. Laisse-moi te dire pourquoi je suis ici. Ce restaurant a besoin d'embaucher des gens, je peux t'aider avec ça. Hein ? Que veux-tu dire ? Tu veux toujours faire cavalier seul, Bancho ? Cet endroit fonctionne déjà à plein régime. Tout va bien pour le moment, mais tu ne pourras pas faire face lorsqu'encore plus de clients viendront. Je ne peux pas continuer à travailler seul, mais ce n'est pas facile de trouver des gens en qui je peux avoir confiance. Je suis Yoshi la recruteuse. C'est ce que je fais ces jours. Commençons par publier une annonce de recrutement.
je suis en plein service. Est-ce que vous pouvez, par exemple, je vais rien dire, embaucher des employés pour réduire la charge de travail. Les employés aident à servir les plats dans la zone de restauration ou à accélérer la préparation des aliments. Laisse-moi t'expliquer comment recruter du personnel. Fais attention à ce que je dis. Appuie sur 3 pour ouvrir le menu des employés. Personnel. Appuie sur Left Control pour publier un avis de recrutement. Appuie sur le flyer pour commencer l'avis de recrutement. Blablabla. Les CV peuvent être lus dès le lendemain. Vos CV actuels seront rejetés. Clair publicitaire en cours. Ok. Le recrutement a commencé. Bien. Les résultats du recrutement sont disponibles dès le lendemain. Je t'en dirai plus demain. Comment on fait ? Oh vas-y, juste. Mon menu. Changer. Oui, avec ça. Non, pas avec ça. Avec 6, 10, 13. Avec ça. Comment on fait max ? Ok. Ensuite, changer. 7, 8, 9, 10. Hop, lui aussi. De requin là. Bien, c'est bon. Bronze obtenu. Oh, on est plus charbon. Fusil à dos jaune bouilli. Baliste dents rouge grillé au sel. Coco rotaine de gélose. Et kajime assaisonné. Oh, emplacement de menu, nice. Personnel de cuisine, nice. Quantité de wasabi. Ah, c'est du wasabi ça? Mais ça sert à quoi? Intérieur ajouté, plus 10. Okay. Comment on fait ça? Ah. Salive. Merci pour le repas, de rien. Un plaisir. Cet endroit semble différent par rapport à... Bientôt plus de wasabi. Je pense que je viendrai souvent ici. En menu, bien sûr. Je suis un peu la gueule du monde. On a eu des dépenses. On rentre le bénéfice. C'est toujours pas les alertes, on est d'accord. Hein. Ah, c'est ça. Ah, mais non, parce que j'ai un clavier du coup. Hey, tu n'as pas encore arrêté de plonger, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Je fais des recherches pour un article important. Je vais avoir besoin d'aide. Trouve-moi 3 coquillages bleus et 3 coquillages marrons. D'accord, mais. N'es-tu pas censé faire ce genre de choses toi-même? Tu plaisantes? Écrire un article nécessite énormément de recherche et d'investigation. Ce que tu fais n'est qu'une infime partie. Alors ne te monte pas la tête, dépêche-toi. Je n'ai pas beaucoup de temps jusqu'à la date limite. Tu es vraiment impossible. Mais puisque tu dis que c'est pour un article, des coquillages bleus et des coquillages marrons? Et demande une récompense. Ouais. Demande ta récompense. Alors attendez par contre. On va juste aller check tout ça et je vais redémarrer le jeu. J'ai entendu dire que le poisson était venimeux, mais il a bon coup en fait. Ah, comme ça. Les sushis sont le repas idéal après une séance d'entraînement. J'aime la couleur. Nous avons reçu un prix. Venez nous rendre visite. Bon, on a reçu un prix. C'est bon, mais je n'arrive pas à me rendre. C'est un peu moins des commentaires à l'image, donc voici. C'est vrai que ça a l'air... Comme le bar à sushi de Bancho et nos sushis ont découvert les saveurs de la mer. Merci. Putain, mais il sait toujours pas prendre des photos. C'est flou et c'est la meuf qui est en focus là. La gueule du monde.
tu l'avais pas live là. Ah bon. Niveau supérieur. Okay. Et les récompenses du coup, emplacement de menu, emplacement personnel de service, maximum de wasabi, emplacement de cuisine et objets d'intérieur. Les objets d'intérieur, j'avoue que ça m'en branle. Alors juste. Ouais, alors sauvegarde, ouais. Tac. Et alors du coup, pas comme ça. Regardez et revenir au titre. Vas-y. Du coup, je vais juste faire ça. Alors, on profite pour aller pisser. Je mets ça. Pause. Et ça, il se connectera jamais du coup. Hop, quoi. Pourquoi mon logiciel de des alertes et tout, il veut pas ce coco. Non, j'ai rien fait dans OBS. J'ai juste désactivé le censurant dans 7.1, mais. Ça c'était pour Firefox, maintenant ça a fonctionné. Bon, je reviens. Du coup, mes poupons vont être convertis en fait. Enfin, ça par exemple. Et ouais, il faut faire que c'est des poupons. Parce que si c'est une bug, il va croire que. Je sais pas si on peut changer les contrôles in-game. J'ai pris des petits trucs à manger là, j'ai pris un morceau d'omelette, je crois. J'ai un peu trop faim. Alors, paramètres. Hein. Ah. Bon bah. On va voir. Alors sur le tas. Attends, je rebranche ma manette. Au niveau d'équipement. Ah oui, sur mon tel. Ah, Marinka.
problème. Aucun corail. Cascade volante. Ouais, il est rang 4 et lui il est rang 2, ils sont au même endroit. Ouais, il y a des orques, des raies, d'autres types de requins, espadons, requins encore. Quoi, c'est merde. Dauphin. Ah, j'ai fumé des dauphins, merde. Requin, simple. Après, les sèches, les crevettes apparemment. Une autre type de raie, j'imagine. Pas ce que c'est ça. Je dirais c'est la camp. Ouais. Ah oui, c'est du pont ça, non? Méduse, encore requin, encore requin. Ouais, 31%. Ah! C'est les hauts fonds. Ensuite, il y a profondeur moyenne. J'ai eu des mérous bruns. Et apparemment, il y aurait d'autres trucs. Hein. Pas de musique? Pas de jeu à jouer. Mini-jeu? Non, mais. Ma gueule. Okay. Ah oui, d'accord. C'est où? Skydiver. Alors, réservoir d'air. Oh ouais, c'est bien réservoir d'air. L'arme, ça se change facilement en vrai. Mais c'est pourquoi? Ah, pour aller plus profond. Ouais, c'est bien aussi. Ah merde, hein. Pas la bonne. Ah. Bon. Faut pas se mettre des bâtons dans le roue, dans les roues. Non, je vais voir. Ramassant une arme dans la serre, vous obtiendrez un schéma, ouais, blablabla. Ah. Hein? Tu dois être le dauphin de tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, il y a deux jours. Pourquoi tu l'as pressé? Je te demande s'il se passe quelque chose. Maintenant que j'y pense, je ne vois pas le dauphin rose cette fois. Je devrais le suivre. Oh, le dauphin rose. Les pirates l'ont probablement capturé illégalement. Je devrais vite couper son filet. Oh, les bâtards. Mes petits bats. Hop là. Il en fait un cœur. Oh, ils ont laissé un autre cadeau. J'espère qu'aucun d'entre eux ne sera pris à nouveau. 30 barres en or. Ouais, ok. Mais j'ai plus d'oxygène. Hein. Vous auriez pu me laisser une petite capsule quand même. J'harponne, bah cette touche pour harponner. Ah non, mais non. Ouais, je sais, mais
Est-ce que tu vois de l'oxygène quelque part? Moi non. On a ça là, un WAM. Gage marron. Ah oui, c'est vrai. Et elle là, je peux les. Merde. Oh non, le con. Ah mais là je suis au tout début. Non ? Vas-y. Putain, les pirates ils m'ont mis dans la sauce. Les rats. Allez. Allez, une petite bouteille d'oxygène là. C'est quand même pas trop demandé. Poisson papillon pyramide jaune. Oh là-bas. Oh oui. Oh la dingue. Oh ma bien khalas. Non, casse-toi toi. Hop là, dans ta daronne. Elle protège fort la murène, c'est ça? Oh la trip. Non, casse-toi. Quoi? Voilà un argent. Au bout, tu as besoin de bol. Petit net gun. Tu peux faire 7 poissons en même temps. Combien? Mais c'est à la place de mon... Ah! J'ai trouvé le net gun, il est spécialisé dans la capture de poissons vivants. J'attends avec impatience les ventes de ce soir. Ouais, mais du coup, je suis un peu dans la sauce. Dans la sauce du chef. Je veux dire, par rapport au... Dingue. Par rapport aux mobs qui vont m'aggro, là, je vais me faire fumer, non? Parce que j'ai pas de vraie arme. Il faudrait un truc pour que j'améliore mon arpon. Oh oui. Non, casse-toi toi. Mais pourquoi j'utilise pas mon net gun? Il y a un requin là. La requinade. Alors. Alors, mais... Oh! Oum! Non, hop là! Et dodgé pour ma part! Ma... de golf. Voilà. Il y a un truc qui tombe juste là. Améliore-moi, s'il te plaît. On va les couilles. Arrête. Non, il y a un... Ok, j'ai tout, on se casse, cassos. Aïe, j'avais pas vu. Un peu d'oxy. On se casse, casse de là. Oh, c'est quoi la dingue à côté? Oh, voilà.
J'espère que ça m'aggro pas ça parce que ça met pas au max quand même. Non, allez, casse-toi. Hop là. Quoi? Non, c'est pas vrai. Oh. Ah. Je peux capturer des poissons comme ça. On jure. Mais non. Arrête. Oh la dinguerie. Oh, je suis beaucoup trop lourd. Oh, je peux rien porter, je me casse. C'est pas mal le netgun. Putain, mais vous voyez rien depuis tout à l'heure? Parce que j'ai pas changé la scène. Je suis un fils de pute. Je ne sais, ne sais. Ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. La scène et moi. Oh. Déjà? Ouf. C'est plus difficile que prévu. Les coquillages sont difficiles à trouver. Pas mal. Maintenant, si je termine simplement la livraison d'Echo Watcher. Tada! Haha! Niveau de recherche augmenté. Hein? Echo Watcher? Oh, tu me connais pas? Echo Watcher est une application basée sur des missions conçues pour protéger l'environnement. Tu obtiens des points en complétant des missions sur l'application et des récompenses en atteignant certains niveaux. Il s'agissait donc de points sur l'application et non d'un article. Oh, eh bien, on peut dire que c'est la même chose. Essaye aussi si ça t'intéresse. A plus tard! Elle se fout de ma gueule. J'utilise l'application Echo Watcher pour vérifier les différentes missions écologiques. Récolter des points pour recevoir diverses récompenses. Dans le jeu, il y a un PC qui tourne à fond ou c'est que moi? Parfait, on devrait pouvoir déployer un drone avec ça. Tu as l'air épuisé. Les courants marins m'ont un peu secoué. Je vois. Il va falloir un peu de temps pour réparer le drone et le déployer. Merci de patienter un peu. Ça devrait être prêt demain matin. En attendant, tu peux retourner à tes occupations. Quoi ? Quoi ? Ça a l'air d'être dans le jeu le bruit chelou. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah oui. Ok. J'ai trouvé des trucs pour avoir des récompenses. C'est quoi les récompenses? Ça c'est la récompense du level up. Donc bracelet éco santé. Un truc dont je me branle. Et c'est quoi les 20 poissons bleus? Ça correspond à quoi? Oh, livré. Ouais, vas-y. Pose de pied d'animal, crâne d'animal. Okay. Ah, des points de recherche. Points de recherche de quoi? Ah, c'est l'XP. Ok. Marinka. Et mais ça j'avais déjà eu mes roues blancs, mes roues brunes. Peut-être que juste j'en ai pêché plusieurs et du coup ça fait quoi? Ah je sais plus. Je me souviens plus à quoi ça sert. Ah j'ai plusieurs. Base d'armes. Ouais. Juste marine base. CD. Bois, corde, minéritier, or. Portable.
Sauf trop le boug. Non, c'était pas lui qui fait des bruits bizarres. Let's go. Attends. Ouais, la thune ça sert à rien pour l'instant à part améliorer l'équipement. C'est quoi quand je suis sur le bateau en fait que j'entends le bruit bizarre? Ouais, c'est pas dans le jeu. Switch bait. Bien fermé. Allez. Bon, j'ai pas de mission là. Donc, juste ramener de la poisse caille. Après, il y a toujours ça pour l'application. Mais... ils changent pas de temps que ça, les fonds marins, si. Ou alors, il n'y a pas beaucoup de template. Non, elle a déjà eu comme template. Avec le harpon en poison et tout. On avait pas eu la même arme par contre. On a vu la lame japonaise là, la japonaise. Ah, suivant le type de harpon qu'on a, on a un mini-jeu différent. C'est ça qui se passe. Lui, il est mort. Ah, lui aussi. Non. Nice. Du coup, vu que là, mon harpon, il est poison, le mini-jeu, il faut faire tourner le doigt. Mais sinon, j'aurais eu... là, ils m'ont cassé les couilles dans le sens. Non, j'aurais eu... Ah mais du coup quand il meurt de poison c'est moins bien je crois. Pas fou de poison. Pas bien fait. Chasse ça? Oh, ça me chasse tellement. Oh, qu'est-ce que c'est que merde? Attends. Non, quoi? Non, je me suis trompé de touche. Bah, toujours plus mon ref. Non, arrête. Putain, c'est pas possible. Hop là. Vas-y, reviens boire. Ah. Oui, dans la sauce. Exactement. Bah je sais pas mec, je vais prendre de la poiscaille je pense. Oh, la poiscaille la plus... Bah je vais prendre ça là. Fichier. Bon, fini cette journée, je vais me pioter. Je suis clacax, liste des candidats. Bien, il y a un candidat pour la vie de recrutement de Banjo Sushi. Il est temps de jeter un coup d'œil.
Vous ne pourrez plus cuisiner de plats une fois que le wasabi sera épuisé. Ah. Oh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait déjà un candidat aussi rapidement. Bah, c'est toi qui nous l'a dit. Voyons voir qui nous avons. Appuie sur X pour consulter l'avenir de recrutement. C'est un CV assez impressionnant que nous avons ici. Engageons cette personne immédiatement. Je vais gagner de l'argent rapidement et partir en voyage. Coco. Cuisine 14, servir 35, obtenir 15, attrait 21. Compétences pour recrutement de personnel ci-dessous. Date. Magasin. Coût. Tout zéro directement. Très bien. Il semble que nous ayons notre premier employé. Le personnel engagé doit être placé. Zone de restauration ou cuisine. Le personnel peut être placé dans la cuisine ou dans la zone de restauration. Ajoutez-les à votre cuisine pour cuisiner plus rapidement et à votre zone de restauration pour servir les plats plus rapidement. Quant à notre premier membre du personnel, essayons une affectation à la zone de restauration pour le moment. Je pense que cela devrait suffire pour l'instant. Je dis quelque chose d'évident, mais les choses vont devenir difficiles sans personnel pour aider une fois que plus de clients commencent à arriver. Il y a aussi la formation à prendre en compte en plus du recrutement. C'est tout pour l'instant. C'est tout pour le moment. Ok. Alors, personnel du coup. Mais pas de personnel. Ok. Alors, si je parle cette fois. Ouvrir seulement le soir. Mais je suis trop épuisé à une heure aussi tardive. Ok. Combien ? Bon, bah, écoute. Menu. Hop, nous verrons ça. On a déjà vu ça là, non ? On peut la passer ou pas? J'ai l'impression. Nice. Alors, c'est lesquels les plus chers? On va trier par. Oui. Voilà. Max. Hop. Numéro 1. Voilà. Parfait ça. Argent. Ok. Recherche. Ah! Ah oui, donc, d'accord. Et du coup. Quoi les détails? Il y a deux jaunes. Non, mais ça va. Vas-y, lance. Ah, putain, ils sont bons, les cons. La thune! Pas de satisfaction, c'est bien aussi, mais. J'ai eu un succès, rechercher 5. 5 plats. Du sel. Un cristal blanc ou salé. Ouais. Bah, c'est bon, non? C'est bon. Allez, let's go. Non, ta gueule. Oui, je comprends. C'est pas facile. Les animaux avec un score de goût élevé augmenteront la satisfaction des clients. Je sais jamais d'apprendre. Oui, on l'a déjà dit. Bon bref, let's go. C'est bon. Non, on peut avancer rapide, on peut avancer. Oh le parfait. Oh nice. Merde.
J'ai plus rien. Merde, mon wasabi. Banco. Oh, ça... Ah non, pas tant. Après, hier, il y avait les têtes de requins aussi. Et aujourd'hui, il y a des dépenses. Merde, j'ai perdu en étoile. J'ai perdu 0,4. Ouais, c'était chaud ce soir. Il pleut. Bonjour. Désolé de ne pas avoir pu venir hier à cause du symposium. As-tu parlé à Cobra? Oh, maintenant que tu penses, j'ai reçu du matériel depuis que Cobra a dit qu'il réparait un drone hier. Oh, un peu de retard, n'est-ce pas? Ah ah ah. J'ai bien pu réparer le drone grâce à toi. J'ai aussi obtenu des provisions. Voici les bombes que tu as demandées. Et aussi... Oh, merci. Docteur Bacon, est-ce que ça ira? Parfait, retournons à ce tas de rochers. Oh, attendez. N'est pas terminé, à partir d'aujourd'hui, le magasin de Cobra est officiellement ouvert. Hein? Qu'est-ce que c'est? Les livraisons ont cessé, mais avec le drone en état de marche, je peux transporter 3 types d'objets en une journée. Contacte-moi et sélectionne le magasin de Cobra pour voir la liste, pour voir une liste qui change tous les jours. J'achèterai aussi les choses dont tu n'as pas besoin. Consulte aussi l'onglet vendre. J'ai l'impression que tu vas facturer des prix élevés, et c'est bien de pouvoir se préparer. Je ne vais pas facturer des prix élevés simplement parce que je suis le seul commerce ici. Alors n'hésite pas à venir souvent. Tant que tu as laissé échapper ta tactique commerciale à l'instant. Quoi qu'il en soit, il est temps de retourner au tas de rochers où le signal du peuple marin a été détecté. Vous pouvez acheter des objets auxiliaires et vendre les vôtres au magasin de Cobra. Le magasin de Cobra est seulement accessible le matin et l'après-midi. Les objets achetés ne peuvent être utilisés que pour une journée. Gardez donc cela à l'écoute. D'accord. Ok. J'oublie de te dire quelque chose. Qu'y a-t-il, Madame Yoshi? Lorsque tu embauches plus d'employés et achètes plus d'ingrédients, tu devras t'occuper de plusieurs choses en même temps. J'ai donc décidé de te donner une application de gestion qui fonctionne sur ton smartphone. Tu pourras vérifier à tout moment la situation actuelle de Bancho Sushi en l'utilisant. Tu peux consulter l'état de ton restaurant sans avoir à t'y rendre. Cela semble pratique. J'ai déjà lié l'application. Pourquoi ne pas la consulter sur ton smartphone? Je suis sûr que Bancho Sushi va se développer et prospérer. Vous pouvez consulter les informations sur le bar à sushi de Bancho en utilisant l'application de gestion. Ah, juste au cas où il y aurait quelque chose d'intéressant à documenter à l'intérieur. Et si tu emportais cet appareil photo sous-marin avec toi? Un appareil photo? C'est exact, il sera important pour la recherche d'enregistrer des données essentielles à l'aide de photos. Prends l'appareil photo et je te ferai savoir quand j'aurai trouvé le bon endroit pour l'utiliser. Juste high-tech lequel? Ça les fait ça là. Ça plus que ça. Quoi? Oui non. Musique. Bon, comment ça musique? Ah oui, nouveau, mais on branle. Album, oui, on branle. Elle est où l'application? Question. Compte officiel du bar à sushi de Bancho, récemment vendu, recette nette. Meilleure vente, récemment acquis. Enfin, c'est les têtes de requins entières rôties. J'ai chassé du requin. Non, mais vous savez qu'on a. Ok.
Non. Ok. J'aurais pu codifier proprement quand même. J'ai mis un grand Alt F4. Bon, merci pour le. Merci pour le stream. Désolé pour les follow et les raids. Je sais pas trop pourquoi l'application veut pas se connecter. Moi je checkerai ça demain. De toute façon, je règle ça demain avant de repartir. Surtout que je suis trop content de ce que j'ai fait pour les raids et les follow, les alertes que j'ai mis. Donc, enfin, je suis content de l'audio que j'ai mis. Le visuel, c'est pas encore ça. Il faudra que je travaille, je sais pas trop encore comment faire. Mais ouais, bon, ça pourra. Ouais, donc je réglerai ça avant de restream demain, de toute façon. Pour être sûr d'avoir des alertes. Et voilà. C'est tout pour moi, je pense. En tout cas, merci. Et s'il y a eu des follow, du coup, merci beaucoup. Bon, s'il y avait eu des raids, je pense que je l'aurais vu normalement. Je sais pas de conneries. Mais voilà. Et des bisous. J'espère que vous avez apprécié le stream. De toute façon, on se voit demain. Ouais, on se voit demain. Si tout va bien. Si je suis pas avec la taxe, mais normalement, ça devrait aller. Des bisous. Ciao.